Est-il arrivé, Anne? Je ne sais pas, Luc. Où sommes-nous? Je ne sais pas, mais tout est tellement beau. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Bonjour, Anne et Luc. Qui êtes-vous? Je suis le chef d'orchestre d'Agapeland. Où se trouve Agapeland? Oh, c'est assez loin de chez vous, je pense. Mais peut-être pas aussi loin que vous ne le pensez. Que faites-vous? Eh bien, je fais beaucoup de choses. Luc, regarde là. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça. C'est la machine à musique. C'est la machine, machine à musique. Cette invention est vraiment fantastique. Tout ce que tu aimes, elle peut le chanter. Mais y a un thème et un chant va résonner. C'est la machine, machine à musique. Cette invention est des plus dynamiques. Elle se met à bouger et fait tout trembler. La machine à musique produit ce rythme comique. Écoute.
Je peux introduire quelque chose dans la machine et un chant va en sortir. Tenez, par exemple, je vais y mettre mon sifflet. Sifflet. Oh, j'aimerais bien avoir quelque chose à mettre dans la machine. Mais tu as quelque chose. C'est vrai? Oui, tu as un beau sourire. Regarde dans la machine et fais un sourire le plus grand possible. D'accord. C'était très beau. Hé, regardez, je vais y mettre ce bout de ficelle.
exemple, un polichinelle, un beau cadeau, un bouquet de belles roses ou un grand cerf-volant, c'est très amusant. Lié et noué, attaché mille objets, mais tout ne peut pas être ficelé. La ficelle ne peut pas réparer un cœur brisé ou renouer une amitié gâchée. La ficelle ne peut pas nous aider quand il s'agit de nos personnalités. Il y a bien des choses que nous pouvons apprendre avec la machine à musique. Est-ce que vous voulez encore écouter? Est-ce que l'on peut? Oui, oui. Je vais mettre quelque chose de très spécial dans la machine. Et voyons ce qui en sortira. Qu'est-ce que c'est? Une petite phrase de la Bible qui parle d'un fruit. Tu veux dire des pommes et des bananes? Pas exactement, Anne. C'est un fruit différent. Tel l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bonté, la foi et la maîtrise de soi. Oh, j'aimerais bien voir ce qui se passe si tu mets tout cela dans la machine. Êtes-vous prêts? On y va. Il y avait un escargot qui s'appelait Hubert. Il avançait si lentement qu'on pouvait plus rien faire. Les scarabées et les fourmis se mettaient toujours en colère. Mais Hubert, sur son chemin, leur chantait ce petit refrain. Sois patient, sois patient, et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, souviens-toi, Dieu est aussi patient. Et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Quand Hubert était petit, il faisait des prouesses. Oubliant sa nature, il aimait surtout la vitesse. Il fonçait à travers la toile de Madame l'araignée, jusqu'au jour où son père dut sérieusement lui parler. Sois patient, sois patient, et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, souviens-toi, est aussi patient. Et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Tu peux t'imaginer si, tout comme dans cette histoire, derrière un escargot, tu te trouves par hasard. Ne t'impatiente pas de suite, mais ralentis le pas. Et pense au petit chant d'Hubert, et oui, ça t'aidera. Sois patient, et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, souviens-toi, Dieu est aussi patient. Et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Thank you.
Alors, est-ce que cela vous plaît? Oh, je commence à comprendre ce que vous voulez dire par fruits. Oui, et je parie qu'on peut les cultiver chez nous. Attendez, ce n'est pas terminé. Remettons la machine en marche. La joie vient en donnant. Fais plaisir à quelqu'un, partage ce que tu as. La vraie joie est pour chacun, pas toi et moi. Je ne savais pas qu'on pouvait créer la joie. Attention, voici une autre chanson. Ta pulsée.
des abeilles, oh c'est si bon. Le parfum des fleurs, oh ça sent bon. Ce serait bien si tu voyais combien notre Dieu est bon. Et oui, la bonté, c'est le plan de mon Dieu. Il me dit c'est la vérité, la bonté nous rend heureux. As-tu un ami qui est très gentil, ou un petit chien qui est ton copain? J'espère que tu verras combien, combien c'est bon d'être bon. Aimer la bonté, c'est le plan de mon Dieu. Il me dit c'est la vérité, la bonté nous rend heureux. C'est ici que ma chanson finit, j'espère que l'on a tous compris. Si l'on est bon comme Dieu est bon, sa joie de nous jaillira. Aimer la bonté, c'est le plan de mon Dieu. Il me dit c'est la vérité, la bonté nous rend heureux. Eh bien, comment ça va? Oh, très bien. Nous avons entendu un chant sur la patience, la douceur, la foi et la joie, la paix, la bonté et l'amour. Cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Y en a-t-il d'autres? Oui, il y en a encore 2. Cela en fera 9 en tout. On est reparti. Un jour les lacets de mes souliers étaient tout emmêlés. J'ai essayé de les démêler, mais je suis pas arrivé. Je me suis fâché, j'ai cogné la porte et me suis fait mal aux pieds. Aïe! Si seulement on m'avait enseigné à me maîtriser. Me maîtriser, c'est de ne pas m'emporter. C'est savoir m'arrêter au lieu de m'énerver. Me maîtriser, c'est être intelligent.
je veux essayer d'être patient. J'aimerais n'avoir pas besoin de me brosser les dents, de manger beaucoup de bonbons, j'aurais bien plus de temps. Mais vite mes dents seraient gâtées et pleines de cavités. J'apprends à me maîtriser, ça ne va pas m'arriver. Me maîtriser, c'est de ne pas m'emporter, c'est savoir m'arrêter au lieu de m'énerver. Me maîtriser, c'est être intelligent, je veux essayer d'être patient. Anne et Luc, je crois qu'il est l'heure que vous rentriez à la maison. J'étais très content de vous avoir avec moi. Merci. Au revoir, monsieur le chef d'orchestre. Au revoir, machine à musique. Au revoir. Oui, au revoir, les enfants. À une autre fois. La machine à musique.